West Highland White Terrier est l'un des membres de la famille centenaire des terriers d'Écosse. Autrefois chien de campagne exclusivement, le Westie est aujourd'hui l'une des races les plus appréciées des citadins. Ce petit chien a fait son petit bonhomme de chemin. Qui croirait que sous cette teinte immaculée, le Westie a pu faire carrière dans les terriers, exerçant le métier le plus salissant qui soit. Au fil des décennies, ce très rustique chien de chasse a fait place à un vrai dandy sculpté par un savant toilettage. 100% terrier, le Westie est un chien bien dans sa peau, dynamique, extraverti, qui fait une fête de tous les instants, qui peut résister à son air fripon, à son caractère rustique, à son format de poche. Après avoir vanté les qualités d'un whisky, il crève le petit écran au travers de nombreuses publicités, ce qui en fait le chien le plus demandé en France dans les années 90. L'engouement pour ce petit chien blanc se traduit dans l'évolution des naissances. 211 en 1981, 574 en 87. Ce chiffre explose littéralement en 89. 1116 naissances sont enregistrées et 2803 en 95. Cette forte demande engendra l'apparition de personnes peu sérieuses qui produisirent des petits chiens sans tenir compte des critères de la race. Pour l'acquisition d'un Westie dans un élevage professionnel a plusieurs avantages. L'avantage, lorsque je vends un chiot, donc je le vends tatoué, vacciné, garanti, inscrit au LOF, donc avec un certificat de naissance. Lorsque quelqu'un veut